Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2022. Pour les personnes à qui ça intéresse, tout le tirage sentimental est déjà terminé. Je vous conseille d'y aller, j'étais complètement loufoque. Hein. Je me suis un peu lâchée. Puis finalement, comme ça vous a plu, je vais peut-être continuer. Hein. Pourquoi pas, ça change des autres chaînes. Donc pour ce tirage général, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Suspense. Ensuite, vous allez avoir un message principal, un tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection et le sac de mots. Eh ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc dans ce sac, comme c'est marqué, il y a 152 mots. Je vais utiliser deux mots-clés, en l'occurrence signature et joie. Eh ouais, la joie, c'est pas banal, hein. Donc, signature, 9 lettres. Je vais utiliser 9 mots et la joie, c'est 4. 4 lettres, 4 mots. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril? Ah ouais, ça, c'est un sujet, franchement, qu'on ne parle jamais. Et pourtant, qui est extrêmement important. Alors, c'est pour qui? Ah bah, c'est pour vous, les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril? Quel va être le message? La première carte qui tombe, c'est une femme. C'est une tierce personne, donc c'est pas vous. Hein. Alors, je vous rappelle que quand il y a un personnage qui tombe, ça peut être également la femme. Mais ça peut être un homme, puisque c'est un tirage général. Allez, pour les Verseaux. Ici, on voit que vous avez entrepris des démarches, mais ça a été interrompu plusieurs fois. Alors, est-ce que vous avez pris l'initiative de vous engager auprès d'une femme. Et là, on voit que votre dossier a été interrompu plusieurs fois. Alors, l'initiative auprès de cette femme, c'est peut-être parce que, tout simplement, vous voulez tourner la page sur quelque chose. Si ce n'est pas le cas, alors c'est tourner la page tout simplement pour certaines personnes. Voilà, vous voulez passer à autre chose et vous avez peut-être entrepris des démarches auprès d'une femme et c'est extrêmement lent. Sinon, pour d'autres personnes, c'est toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Donc je vous rappelle, bon, certains points, qu'est-ce qu'on fait derrière votre dos? Eh ben, il y a l'abandon, l'adultère, le mensonge, la tromperie, la duperie. Voilà, c'est des exemples de toutes les saloperies qu'on a pu bien faire derrière votre dos. Sinon, si vous n'avez pas entrepris des démarches, on peut très bien dire qu'ici, il y a une femme alentour de vous, peut-être, à plusieurs reprises, et à chaque fois, elle s'est arrêtée, parce que peut-être est-ce qu'elle s'est fait pardonner, pourquoi pas. Une femme, à plusieurs reprises, a essayé de tourner le dos sur une situation. Ou alors, vous voulez tourner le dos à une femme, vous avez essayé plusieurs fois, pourquoi pas, justement, pour toutes les saloperies qu'elle a bien pu faire, hein, cette personne. Cette carte, elle s'est retournée, c'est la porte de prison. Alors, est-ce que c'est la prison même? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on parle de blocage. Donc, ces cartes sont tombées. Ici, on voit bien que vous voulez couper la routine en tout cas de quelque chose. Peut-être que vous voulez couper cette routine justement de situation complètement bloquée, peut-être depuis un automne, je cherchais le mot. Est-ce qu'il y a une situation bloquée depuis l'automne?
l'automne dernier, l'automne avant, pourquoi pas. Ou alors vous voulez tout simplement couper ce fil du blocage parce que vous voulez enfin récolter le fruit de votre travail. Vous avez récolté, vous avez fait des démarches, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'une situation qui se débloque, en tout cas d'une reconnaissance, quoi que ce soit. Donc c'est les démarches que vous avez pu entreprendre, c'est le fruit de votre travail. Ici, c'est la santé. On voit bien qu'il y a des hauts et des bas, peut-être santé physique, mais santé morale. Ici, c'est la carte de l'entreprise. Donc, c'est le domaine professionnel, mais aussi entreprendre. Donc, vous avez entrepris des démarches concernant peut-être une personne que vous avez cru extrêmement proche. Ça peut être votre autre, ça peut être tout simplement un ami. Par contre, ça peut être un membre de la famille également. Donc on retrouve de nouveau l'arbre, la famille, on retrouve également la santé. Ici c'est la carte de réconciliation, d'un terrain d'entente. Et là on parle d'enfin un changement positif. Donc oui, c'est lent. Quel que soit le domaine, la porte de prison, on voit que vous avez attendu, c'était lent. Ici, avec le ciseau, on vous dit, ça y est, il y a ce fil de lenteur qui va enfin se couper. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail sur quelque chose, en tout cas, qui vous a bouffé la santé. Vous avez entrepris des démarches à cause d'une personne qui est extrêmement proche de vous. Ou alors, c'est un membre de la famille. Ce qui est sûr, puisque ici on reparle soit de la santé ou soit de la famille. Donc quel que soit le domaine, santé ou la famille, ici on voit qu'il y a enfin un terrain d'entente, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir accord en tout cas qui va changer votre vie. Ça c'est sûr, hein, puisque c'est un changement positif. Nous avons la carte de l'artiste, tout ce qui est domaine artistique, mais sinon c'est tout simplement le fait de retrouver enfin une vie harmonieuse, retrouver sa joie de vivre, parce que vous allez enfin voir plus clair sur une situation qui est bloquée peut-être à cause d'une femme, ou à cause d'une femme. Ici on parle du printemps. Donc effectivement, le printemps, peut-être que bah, ça tombe bien, hein, en avril on est au printemps. Donc effectivement, il y a peut-être une solution qui va se résoudre au printemps. Ou alors tout simplement, il y a quelque chose en tout cas qui va bourgeonner. Ben, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en tout cas qui va démarrer. Ici, nous parlons de grossesse, mais nous parlons de lenteur. Encore une fois, un bébé ne se fait pas en 3 semaines. Donc ici, on parle de bébé, on parle de nouveaux projets, on parle de gestation. Donc on voit bien que vous avez eu de la patience. Cette bouche, elle est fermée avec le coffre à côté. Peut-être que cette bouche est fermée depuis un certain temps. Vous attendez peut-être que cette clé apparaisse là d'un seul coup. Après, tout ce qui est dans le coffre, c'est des secrets. Donc, vous attendez une information là que vous n'avez pas. C'est tenu secret. Peut-être que même la personne qui est censée vous donner l'information ne le sait pas. On voit bien qu'il y a une renaissance, il y a une transformation. Vous, ce que vous voulez, c'est finir avec le passé pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau, de neuf. Résoudre en tout cas une solution qui est du passé. Donc il va y avoir un retour du passé qui va être là, que vous avez pas résolu. Bon, dans le sens vertical, ici on voit que c'est bloqué avec une femme, ou alors c'est une femme qui bloque. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une harmonie, une joie de vivre, ou alors dans le domaine artistique, vous voulez enfin voir plus clair. Ça va être le cas.
vous allez voir plus clair, puisque ici on voit bien, on parle du printemps, on parle du renouveau, du bourgeonnement. Donc je ne garantis pas que votre solution va être résolue, mais en tout cas il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Ici, on voit bien que ça a été interrompu, quelles que soient les démarches, quelle que soit la situation, ça a été interrompu. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est couper ce fil d'interruption pour pouvoir enfin en terminer de cette solution, de cette problématique, de ce blocage qui dure depuis un automne. Est-ce que c'est l'automne dernier? Est-ce que c'est l'automne d'avant? L'automne, c'est récolter également le fruit de son travail. Donc vous voulez couper le fil de la routine, de la patience et de l'attente, du blocage, pour enfin récolter le fruit de son travail. C'est bon, là, ça vous a gonflé depuis un certain temps. On voit bien que votre morale, il y a des hauts et des bas. Alors je n'exclus pas, je ne garantis pas que votre physique n'a pas pris un coup aussi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le moral a pris. Concernant peut-être la profession, est-ce que vous travaillez avec quelqu'un d'extrêmement proche, avec votre autre? Est-ce que c'est une profession familiale, une entreprise familiale? Ou alors tout simplement, vous avez entrepris une démarche concernant la famille, l'ami, et là on vous dit, oui, ce fil va être coupé au printemps. Ça tombe bien, le mois d'avril, c'est le printemps. Donc oui, il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose. Ici, vous voulez tourner tout simplement la page, vous voulez passer à autre chose. Pour certaines personnes, voilà, c'est simple. Pour d'autres, c'est vous voulez en finir avec toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Donc je vous rappelle que les saloperies, c'est tout ce qui est abandon. C'est l'adultère, la tromperie, la duperie, la fourberie, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire derrière votre dos. Dans le domaine familial, pourquoi pas? Ou alors vous voulez tourner peut-être la page sur une situation de santé. Peut-être que quelque chose vous a bouffé la santé aussi. En tout cas, il va y avoir accord, il va y avoir réconciliation, ça c'est sûr. Peut-être une signature qui va changer votre vie, puisqu'ici, on parle bien d'un changement enfin positif. Hein. Donc, il va y avoir un terrain d'entente qui fait que vous allez enfin avoir un changement positif. Ça, je l'ai déjà dit. Non, le disque, il est pareillé. Ensuite, ici, la santé. Alors, est-ce que ça concerne une grossesse? Pourquoi pas, puisque vous avez la carte de la grossesse. On a parlé de la santé. Concernant la grossesse, sinon c'est tout ce qui est projet extrêmement lent, voilà, c'est la gestation, quelque chose de lent, des projets, encore une fois la lenteur. Vous attendez qu'on vous dise quelque chose, peut-être que ça va être une véritable surprise, que ça y est, cette bouche elle va enfin s'ouvrir. Bah oui, s'il y a enfin accord, donc cette bouche elle va enfin s'ouvrir, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, une renaissance, une transformation, virer le passé là, virer cette situation du passé dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ça y est, ça va pouvoir se faire. Les Verseaux. Alors soit ça va pouvoir enfin se faire, ou alors ça y est, il y a enfin un pas qui s'ouvre pour pouvoir enfin virer cette situation du passé. Les Verseaux, maintenant nous allons parler signature. Donc signature, 9 lettres, donc 9 mots. Signature pour vous les Verseaux. On parle de perte. Donc il va y avoir accord, il va y avoir signature, mais vous allez perdre quelque chose. Examen. Capacité. Le don. Ça peut être le don de soi, mais ça peut être un don financier, matériel. Dispute. Bon, je ne vais pas vous demander si vous avez le don de faire chier les gens, quand même pas. 1, 2, 3, 4, 5, encore 4. Ou peut-être dans votre entourage, hein, y a peut-être quelqu'un qui a le don de vous énerver. Hein.
Nous avons influence. Nous avons le cœur. Le choix. Et l'intelligence. Récapitulatif pour vous, pour moi. Allez, une feuille, un stylo. Essayez de faire quelque chose qui peut être votre histoire ou pas du tout. Hein. Alors, je vais vous épeler les mots. Vous avez la perte, l'examen, la capacité, le don, la dispute, l'influence, le cœur, le choix et l'intelligence. Oui, effectivement, là, ça peut parler d'une histoire de santé. Est-ce que vous attendez un don de cœur? Pourquoi pas? Donc, suite à un examen plutôt avec de l'intelligence, donc un examen médical avec des professeurs. Après, la dispute... Est-ce que ça vous a fait un conflit de savoir, un conflit intérieur? Est-ce que vous êtes mis en conflit avec d'autres personnes? De savoir que vous avez un souci de santé, peut-être concernant le cœur? Oui, ici, ça peut être une histoire de donation de cœur, de don, voilà, de don, don du cœur. On parle de perte, de capacité, l'influence, le choix. Alors oui, ça peut être une opération du cœur. Alors après, est-ce que c'est le cœur dans le sens sentiment également? Un don du cœur, un don financier. L'examen, le don, la dispute, oui forcément, s'il y a quelqu'un qui fait don de quelque chose, ça peut créer une dispute. Ou est-ce que c'est vous qui allez faire don de quelque chose? Et pourtant, c'est avec intelligence que vous avez cru faire ces choix-là. Ici, on parle de perte, de capacité, d'influence. Est-ce que c'est une histoire de testament? Est-ce que c'est une histoire d'opération du cœur? En tout cas, il y a quelque chose avec le cœur. La perte, l'examen. La capacité. Est-ce que c'est tout simplement un examen que vous avez raté? La perte d'un examen? Vous avez passé un examen. Pourtant, vous avez les capacités. Vous avez travaillé pour, en tout cas. Vous avez l'intelligence. Le don, vous avez eu le don de réussir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que lors d'un examen, il y a eu une perte, perte du cœur, une perte émotionnelle avant un examen ou pendant l'examen, ce qui fait que vous avez perdu les pédales, j'allais dire, oui, et puis il y a une dispute peut-être intérieure, un conflit intérieur, conflit extérieur. Est-ce que c'est une dispute avant un examen qui fait que vous avez perdu pied? Donc, influence et le choix. Voilà ce que j'ai trouvé pour vous. Ensuite, on parle de la joie. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie, les Verseaux, au mois d'avril? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Le détachement. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? La chance. La confiance. La déception. Ah, la déception, ça ne met pas en joie en général. Donc, qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Le détachement, la chance, la confiance et la déception. Alors, est-ce que vous avez eu la chance de détecter quelque chose? Bon, oui, vous avez eu une déception sur une situation, sur une personne.
Mais surtout, vous avez la capacité de rebondir, la capacité de reprendre de l'énergie, la confiance en vous, la capacité, en tout cas, de vous détacher rapidement de, voilà, de tout ce qu'il faut vous débarrasser. Et on parle de chance. Alors, peut-être que c'est une véritable chance, et ça vous a mis en joie, de pouvoir vous débarrasser de quelque chose dont vous étiez déçu. Et ça, ça va être votre chance. Je redis, le détachement, la chance, la confiance, la déception. Est-ce que c'est professionnel? Vous allez vous détacher de quelque chose au niveau professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Pourquoi pas? Ici, en tout cas, on voit que vous avez fait confiance en quelque chose. Mais voilà, la déception, le détachement. Je n'en parle pas du tout en général, mais oui, je fais les tirages personnalisés. Parce que souvent, je reçois des messages, des mails en me disant « Mais Sandra, est-ce que tu fais des tirages personnalisés ?» Oui, si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez un mail et puis je vous dirai comment que ça se passe. Bien évidemment, abonnez-vous, mettez le pouce, mettez les commentaires. N'hésitez pas, suite à ce que vous avez pu trouver également sur les mots, en me disant, bah tiens Sandra, moi j'ai trouvé ça. Ça ne parle peut-être pas spécialement de mon histoire, mais ça peut raconter quelque chose. Oui, je suis preneuse, allez-y, il n'y a aucun souci. Les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.